Parce que nous allons parler d'un paquet de bitume, mais on va mettre l'amour d'abord, l'amour, l'amour et bénédiction. Bah tout pays là, bah tout pays là. Nous allons voir l'amour tout côté grande terre, basse terre, Marie Galante, les sept terres de hauteur de bas, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Barth, toute la Guadeloupe. Faut pas oublier que la Guadeloupe c'est un archipel. La Guadeloupe c'est pas rien qui grande terre, basse terre. Mais la Guadeloupe, c'est plusieurs îles. Et plusieurs îles qui en souffrance. De renvoyer bonjour à toutes ces îles-là qui en Guadeloupe là. Et ça va montrer la force de l'unité. Puisque la Guadeloupe même, ça fait ensemble de îles. En archipel, quoi. Nous renvoyons l'amour. Haïti, Saint-Domingue, en Martinique, en Dominique. En Réunion, en Guyane, dans toute la Caraïbe, Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, de tous côtés. En Savignon, le monde qui inquiète, en le petit pays là, qui est à l'extérieur, qui inquiète, en le monde qui a crié moins. C'est vrai, on ne peut pas répondre tout le monde là. Non, le monde, les médias en France qui crient moins aussi. Je viens d'intervenir ici à un grand talk show à Paris. Si espace FM avec l'homme qu'on appelle Jean-François Saint-Louis qui a salué, mais c'est vrai qu'il y a des médias qui collent. Oui, mais Chica, mais moi, pas mon qui aime parler, pas de parler. Donc voilà, Pépé intervient si et tel, pas fait colère, pas m'a demandé pourquoi intervient avec Jean-François, pourquoi pas intervient avec les autres. Ils tous ces mouns à moi. Mais voilà, Jean-François était le premier à m'appeler, c'est quelqu'un qui est déjà tout en contact avec moi, donc j'ai intervenu dans son émission. Mais pas pour ça, pour faire colère. Ok? Donc c'est toujours l'amour. Pas fait coca si ça, pas fait parole si ça. C'est unité renouvelée. Ce qui est important, ce n'est pas le messager. Ce qui est important, c'est le message. Alors, quand on remet encore bénédiction sur tout le pays là. L'amour sur tout le pays là. Et nous allons partir directement du côté téléphone et nous ni. Des frères et des sœurs qui ont plateau avec nous, c'est important qu'elles ont coûté quand ils ont dit autres. Parce qu'elles ont expliqué les autres via eux, mais pour l'instant, nous avons parti côté téléphone là. Allô? Oui, Chicanos, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Lorraine. Lorraine, tu nous appelles d'où? De Lorraine. Ah, de Lorraine, excuse-moi, je crois que c'est un prénom, Lorraine. Et c'est quoi le prénom? C'est Martine. On t'écoute, Martine, vas-y. Alors voilà, moi j'aurais aimé te dire la chose suivante. Dans la fenêtre Google de ton ordinateur, il serait bien que tu inscrives contrat Pfizer, Nestlé, Macron. Contrat Pfizer, Nestlé, Macron. C'est quatre mots, d'accord? Après, tu vas lire, tu vas consulter. Après, tu vas marquer état profond. Tu lis, tu consultes. Après, également, tu vas marquer « Nouvel ordre mondial », qui est, contrairement à ce qu'on aurait pu croire dès le départ, était une théorie du complot. Je n'ai pas de réseaux sociaux, je le précise. D'accord ? Moi, ça fait depuis 2019 que je piste cette pandémie, que j'essaie de comprendre. Ben, maintenant, j'ai compris. Et donc, Macron est à la tête de l'État profond et est membre du Nouvel Ordre Mondial. Vous verrez après consultation, vous verrez que c'est plausible. Hein.
D'accord. Donc Macron, mais la famille, est-ce que tu peux aller rapidement parce qu'on a des invités en plateau? Quel message que tu voulais faire passer? Vas-y. Alors, moi, tout ça pour dire que c'est une grosse arnaque de tous les États mondiaux, d'accord? Ils ont une commission, les chefs d'État. Pourquoi Israël s'est rué sur les doses alors que c'est un État business, d'accord? Ils sont rués, ils ont donné des surenchères sur les doses. Les chefs d'État, comme les médecins, quand on va se faire prescrire un médicament et tout, ils ont des avantages, hein, ils ont quelques petites rémunérations. D'accord. Et ben là, Macron qui touchait 9 millions d'euros, quand vous aurez consulté ce que je vous ai dit là, ces trois choses, ce monsieur qui touchait 10 millions avec Pfizer quand il était leur banquier n'a pas lâché 10 millions pour 15 000 euros de mandat, enfin voilà, de salaire en tant que chef d'État. Alors, en résumé, pour aller vite, parce qu'on a plein de gens, alors qu'est-ce que tu voulais dire? Ton message, c'est lequel? C'est lequel? C'est que c'est une connerie monstre, cette vaccination. Ils récupèrent de l'argent, les chefs d'État récupèrent de l'argent sur les doses. À chaque personne vaccinée, c'est pour ça qu'ils veulent toujours vacciner plus, et toujours plus, et revacciner. C'est comme un casino. C'est excitant pour eux, et en plus de ça, ça leur met plein dans les poches. D'accord. Vous comprenez? Consultez tous contre Pfizer, Nestlé, Macron, État profond et ordre mondial. Vous verrez, vous comprendrez. D'accord, mais on te remercie pour ton appel. Au revoir. On ne peut pas la garder trop longtemps parce qu'il y a beaucoup d'interventions et beaucoup d'appels qu'on doit prendre. Alors, nous allons directement au plateau. Hein. Alors, présentez-vous, regardez la caméra là et on nous aille. On va essayer de prendre le maximum d'appels aussi. Et présentez-vous et nous écoutez-vous. On nous aille. Honneur aux dames. En cas, présentez-moi, c'est Evelyne. Alors, Evelyne, redressez-vous pour tout le monde bien sortir en télé là. Gardez la caméra là, pas obligé de rapprocher le micro là. Et nous écoutez-vous. C'est Evelyne, on s'en est soignante au centre gérontologique à Palais Royal. Et nous avons venu présenter les autres, parce que nous aussi, hein, nous contraints à aller à obligation vaccinale. Hein. Alors, Evelyne, c'est vrai qu'en ce cas, moi, j'ai couru quand même. Alors, voilà. Qui m'en ouille? Où c'est Evelyne? Oui, Evelyne. Où c'est être soignante depuis combien d'années? Plus de 20 ans être soignante en centre gérontologique. Oui, mais combien d'années qu'on est soignante déjà? En être soignante, qui a fait 14 ans, être soignante. Pourquoi choisir ce métier-là, ça? Si on choisit ce métier-là, c'est parce que c'est un métier qui a été marqué. C'est un métier d'amour. Pour porter ces personnes-là. C'est en plus des personnes âgées, des gens qui, tant longtemps, grand monde qui portent nous en l'hôpital, quoi. Donc, on choisit faire métier-là, ça? On choisit faire métier-là, ça. Avec passion. Donc, là, ça fait combien d'années? 14 ans. D'accord. Alors, je dois quoi qu'avait dit population là, nous quoi écouter où? Moi, qu'a dit population là actuellement que nous contraint en loi que M. Macron mettait et que nous quoi dit nous pas d'accord à loi là ça, parce que c'est en punition. Ça c'est de dire c'est en punition parce que il y a quoi nous suspendu, mais nous suspendu sans salaire. C'est ça qui est important. Tout le monde. Là, alors, gardez caméra là, expliquez tout le monde qui écouter nous. Qu'est-ce qui se situation ce jour là? Eh ben, situation nous là actuellement au centre gérontologique. Au centre gérontologique, ils ont commencé à voyer courrier. Au départ, c'était nous, pour qu'à voyer courrier, nous, sous l'incitation, nous avons fait l'incitation. Et actuellement, là. Donc, ils ont fait l'incitation, ils ont vacciné. Ils ont fait nous vacciner, ils ont dit nous vacciner, ils ont expliqué nous le pourquoi, le comment. Et aujourd'hui, le directeur a décidé de voyer courrier bah, tout le monde qui peut vacciner. Pour... Alors, est-ce que vous vaccinez? Moi, je vais vacciner. Ou pourquoi ou piquer? Et un piquer vacciné. Pourquoi? Expliquez-la. Parce qu'il y a un homme qui a dit oui, qu'on a dit complotiste, nous pas complotistes, nous pour la liberté. Voilà. Qui est-ce qui est vacciné? Qui est-ce qui n'est pas vacciné? Tout le monde a ses mounes en nous. Toute la Guadeloupe, c'est tout le monde a ses mounes en nous. Tout le monde a la parole, le téléphone est ouvert. C'est un petit hein, rappel. Hein. Alors, vous ne pouvez pas vacciner. Pourquoi? Avant de prendre le téléphone là. Pourquoi vous ne pouvez pas vacciner? Déjà, dans un premier temps, c'est la reine du messager. Pour ne pas connaître que ça y est. Il y a dit longtemps, il y a aussi, en scientifiquement parlant, il y a traité bien là ça. Mais nous ne savons pas qu'il y a des gens. Et puis ça, y est bon, peut-être que tu as vacciné hier matin là. Tout le monde peut passer bien. Alors, regardez la caméra là, c'est pas autant. Tout le monde peut passer bien, mais demain, on passe à moi qu'à faire. Tout le monde peut mourir, moi. Hein. Ça va arriver. Hein. Et on pas qu'à jouer au pilote face. On pas jouer au pilote face, du tout. Eh bien, voici les vraies questions qu'on devait poser aux gens. Mais qu'on sait, il y a qu'à poser des questions. Parce qu'après, on peut dire qu'il y a
Est-ce que c'est une pression? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une chaîne voile à gauche? Quand vous n'êtes pas vacciné, pas vacciné? Ou c'est vous-même qui vivez pas? C'est moi qui vivez pas. Bah, pour moi, pas forcément. Mais comme ça, il n'y a qu'à poser des questions. Voici les bonnes questions pour tout le monde peut comprendre. Est-ce qu'on a une pression ou pas pour empêcher de vacciner? Non, bah, il n'y a pas de pression. C'est vous-même qui prenez décision. C'est moi qui prends décision. Kevin Zoumé en grand. C'est moi qui prends décision, moi, de dire pas qu'à vacciner. Encore parce que tout le monde comprend. Nous comprenons appel, nous comprenons Evin. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Oui, Les Abîmes. Les Abîmes, le prénom? Tatiana. On t'écoute, Tatiana, vas-y. Oui, alors, moi, mon message, c'est vrai qu'on traverse une crise, une grosse crise, là, très difficile. Moi, c'est mon message, là. En cas, vous voyez, une belle force, bah, tous ces grévistes-là, bah, tous ces aides-soignantes-là, en cas, dis-yo, tu es bien, tu pas moli, moi, lève, et puis, yo. D'accord. Et sans qu'elle dise encore, vous voyez un message. Nous, c'est dans mon coin là. Nous pas ni jalousés. Tout, encore, tout le monde est solidaire. Il est solidaire sur les barrages, tout. Mais on peut espérer que la solidarité là, ça a été arrêté après. Parce que nous, quand, nous tout si même bateau là, la coin là, faut tout le monde serrer les coudes. Et puis, nous pouvons voir ça à Kabaï. D'accord. Et en cas, on t'y appelle à la jeunesse. C'est vrai que nous avons critiqué, on l'a. Nous avons critiqué, on l'a. En parlant de raison, c'est vrai que moi, pas pour la casse, pas pour ça, nous avons dit, ouais, on a fait. Moi, pas tous les lieux, on ne peut pas dire réellement que c'est yo. On ne peut pas dire que c'est yo. Mais sans qu'on dit, quand même, trouver d'autres stratégies. Yo ni doit quand même faire entendre, yo coller pour certaines choses. C'est vrai que. C'est peut-être une façon d'exprimer colère à yo, mais moi, sans qu'à dire yo, pour raison à yo, pas passer en tort et pour passer famille à yo, plaire surtout, réfléchir qui j'ai eu qu'à faire les choses. Renforcer sur les barrages, j'avais des grévistes, vini, porter main forte, mais réfléchir différemment. Parce que yo qui fait famille à yo, plaire et bon, voilà, ça peut arriver plus loin. Eh bien, nous, quand on remercie pour appel là-haut. Encore remercie aussi Chicanos et puis bonne continuation pour le travail là-haut qu'on a fait là. Merci. Alors la famille, nous allons retourner au haut encore. Big up Kevin à la réalisation. Big up tout équipe à Canadis. Encore réitérer, je vais réitérer mon propos et ma question. Pourquoi tu ne veux pas te vacciner? Est-ce qu'il y a une pression faite sur toi, hein, pour que tu ne te vaccines pas? Ou c'est ton choix, tu veux être libre? Regarde la caméra et dis-nous. Ben, Chicanos, c'est choix en moi. C'est un choix décidé, personnel. À part pour mon capré, qui font pression si moi pour dire que non, pas être vacciné. Hein. C'est moi qui fais choix là. Hein. Et est-ce qu'il y a des gens qui font pression si vous pouvez vacciner à présent? Alors je le dis en français, est-ce qu'il y a des gens qui font pression sur toi pour t'obliger à te vacciner? Chicanos, c'est pas mon pas faire pression si moi pour me vacciner. Sauf, seul bité un peu, dit seul monde qui a fait pression actuellement à nous pour nous vacciner. C'est directeur nous, hein. C'est établissement là, hein. parce que sinon nous sommes suspendus, hein. Suspendu égale suspendu sans salaire, hein. Pas ni l'argent, pas ni rien, nous ni crédit. Hein. Est-ce qu'on peut rappeler nos établissements là? Sans géontologique, hein. D'accord. De Palais Royal, Montverguin. Est-ce qu'on veut expliquer pourquoi on pose ces questions là ça ou pas? Vous voulez ça pourquoi on pose ces questions là ça ou pas? On peut expliquer, mais en cas de. Est-ce qu'on a besoin? N'a pas besoin. Bon, d'accord. Donc peut-être après, si mon peut mais pourquoi tu cannes comment dire ça? On n'a pas rien à faire pour rien, ça veut dire qu'on est ça. Alors, la famille présentez-vous. Moi, c'est Guillaume Patrice. À quatre travailleurs sur l'hôpital géotologique, moi, c'est à Montverguin, en service technique, et en son agent sécurité incendie. D'accord. Alors, vous aussi, vous avez fait pression si vous pouvez vacciner? Ah, ou pas? À part l'état là. Non, là, vous avez bien question là. Est-ce qu'il y a une pression, il y a dit, fait si vous pouvez vacciner, ou qui veut dire, si vous pas vacciné aussi, ou payer toucher salaire, ou payer, ou qu'est suspendu? Alors, moi, de manière claire, hein, on son nom libre en tête en main. Yon, on pas vacciné, on ne fait pas vacciner, on paye vacciné. Mais est-ce qu'un employeur a ou dit ou comme ça, que si vous pas vacciné ou que suspendu, oui, et sans salaire? Nous recevons un courrier, puisque les gens ont mes procédures là. Qui a dit, il faut nous te présenter. On passe sanitaire au complet le 18. OK? Sans quoi, il cap prend des mesures de suspension contre vous. Alors pourquoi pas qu'à vacciner? Expliquez-nous. Alors, ni des raisons pas qu'à vacciner. Première raison là, c'est que si
y a été fait un vaccin, quoi qu'il y ait vraiment, parce que ça prend un vaccin, son injection expérimentale. Faut nous employer des mots comme il le faut. Un vaccin, si y a été fait un vaccin. Donc, vous ne pouvez pas faire partie des expériences expérimentales. Ah ouais, apparat de laboratoire pour le monde. Ok, attends, dis-moi ça encore. Apparat de laboratoire pour le monde. Expliquez-moi. Si vaccin là, tu as empêché ou trappé, empêché ou balot mouni, en savent son vaccin, c'est quoi qu'il est vraiment vaccin, il subit toutes les tests à protéger, en te prenne. Mais en injection expérimentale, même si ou trappé, ou trappé mouni, et ça n'a pas empêché ou trappé, non, à part d'accord. Dedans. Nous avons un appel, nous avons un d'accord. Allô? Allô, allô, allô? Oui, oui, c'est Canal 10. Oui, bonsoir, tu nous appelles d'où? La France. La France, c'est où? Ah ben, on a trouvé moi, c'est où? Sur dans le Val-de-Marne. Là. Val-de-Marne, le prénom? Le prénom? Palonka. Palonka, nous écoutez, vas-y. Bon, alors, tu vous avez passé un message là. On t'écoute. C'est dans le sol, il y a un racine là. Il a cherché très loin. Il a sa stratégie montée pour foucrer la Guadeloupe en main nous. Qui veut dire peuple en nous. C'est-à-dire là, c'est ça, c'est pour qu'on bat tombe en piège là, ça. Attaquer brûlé, comment ça veut dire? Quand attaquer brûlé, il y a cette façon d'exprimer. Mais il ne faut pas nous brûler, mais ta famille en nous-mêmes. Casamalerie même, qui est en nous. Ça a agi sur l'économie à pays, là, comment ça veut dire? Donc, nous pouvons foutre barrage en Ramoun, revendiquer, mais pas brûler, casser, foutre du fait. Bon, nous payons peut-être pour nous autrement. Bon, le problème là, c'est-à-dire que Bita Kabassé, Monsieur Macron monte stratégie, qui veut dire, à dans sens, il voyait, admettons, on va prendre des gens qui tout seuls, hein, il voyait Monsieur Côté long direct à l'hôpital là-bas là. Mais il met un nègre là-bas là. Qui veut dire, ces nègres là. Donc, ça t'a dit nous que c'est une stratégie alors? Comment, ouais. Le fait que vous veniez en Guadeloupéen pour être direct à l'hôpital, on va penser que c'est, ça va partir de cette stratégie-là. C'est ça qu'on va penser? Qui veut dire que vous, semblant être là avant, alors qui veut dire, vous que vous, c'est n'est qu'à manger, n'est qu'entre vous à présent, alors comment ça veut dire? C'est très simple, il a fait une mission avec Timalon, qui a fait des années, et on a déjà parlé de tout le monde qui a fait ou déjà attrapé, ça veut dire qu'on déjà attrapé vision là alors. Mais en déjà, mais sans expliquer où là vous gamin. En temps pour descendre au pays là, pour justement mettre vite voir pour déduire des bidas là aux gens. Mais avec tout bidin là de boulkage Simon. Bon, alors ça qu'a nous fait, parce qu'en cas vrai que faut nous prendre un bel temps pour nous parler de ça. Ah oui, laissez le numéro en bon moins, en antenne, et à quelqu'un qui est dans l'émission, parce que la communauté est invitée en plateau, à quelqu'un qui est en semaine là dans l'émission pour nous parler de ça. Laissez le numéro en antenne. Il est très long à parler même. Mais à comprendre ça. Laissez le numéro en antenne, Kevin n'a pas ton numéro. Ok, pas de problème. Bonjour. Bon. Nous allons retourner aux autres la famille, hein, Zola, pour expliquer la population là, qu'est-ce qu'on vive, crainte à autres, peur à autres. Doute azote, c'est mission azote, pas fait parler, en noyé. Bien, alors. Pourquoi... Revendication azote, en fait, tout le monde est là, en noyé. Alors, nous, comme là, les collègues l'ont dit, nous, quand on travaille, il y a deux établissements qui recevront des personnes âgées. OK? Et, il y a eu un pour dire, nous, comme nous soumis à l'obligation vaccinale, il faut te présenter un schéma vaccinal complet. Nous tenons jusqu'au 18, et le 18, si vous ne pas présenté, à partir du 18, en tout cas, il peut suspendre vous, il peut entamer une procédure de suspension contre vous. Donc, naturellement, les organisations syndicales qui sont là, qui c'est la CGTG, FO Santé et l'UTS, nous entamons un mouvement de grève pour contester ça. OK? Pour contester ça, puisque pour nous, ça n'a pas tenu la route, ça n'a pas logique. Ou quoi, ôter liberté à un monde qui a vacciné s'il veut, et un monde qui a vacciné s'il ne veut pas. Et on ne peut pas suspendre un monde parce qu'il ne veut pas vacciner, parce qu'il n'y a pas qu'on mette mon faute. Il n'y a pas qu'on mette mon faute professionnelle. Donc c'est pour ça que nous entrons en mouvement. Sans compter, nous déjà voulu prendre avis de grève avec différents points, notamment si les conditions de travail ou si la direction pour gérer répondre. Donc en tout cas, nous mobiliser pour ça. OK. Alors nous allons prendre des appels. Hein. Alors, après, pourquoi vous avez des questions? C'est qu'il y a l'autre monde qui a rapporté n'importe quoi. Et en cas de Sénat, il a souligné, à des missions au moins,
téléphone là ouvert pour donner la parole à tout chacun. Ok? Il y a un homme qui a raconté n'importe quoi. Oui, mais les grévistes, il y a une grève parce qu'ils sont forcés, ils sont pas forcés, ils sont forcés, ils sont derrière. Ils ont vu, à vous avez une question devant tout le monde. Ils n'ont pas vacciné. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas vacciné les autres? Voilà. Pourquoi pas vacciner vous? À part l'on de laboratoire, oui. Voilà. Donc chaque monde a une raison personnelle à yo. Et à l'émission là, ça, c'est mission à le peuple, c'est mission à tout le monde. Sans distinction de vaccin ou pas vaccin, chaque monde doit faire ça yo ve et quoi yo. Qui moun ki vacciné? Qui moun ki pas vacciné? Tout monde a se moun à moi. Nous pas fait distinction de classe sociale. Nous pas fait distinction de couleur de peau. Nous pas fait distinction de choix sexuel. Nous pas fait distinction de choix sexuel. Chaque mounani dans j'ai droit disposer de quoi j'ai vais. Ouais non. Ouais non. Ça habitant pas d'accord. C'est là où on prend sans mandé. À part de. Ah, à côté, ça va à côté. Mon qui avait servi sans mandé. Non, 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 non. Si elle a dit non, c'est non. Si elle a dit non, c'est non. Nous pas dans les. Non, 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 non. Voilà. Et ça, dans tous les sens du terme. Voilà. Nous prenons un appel. Allô? 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 Alors, est-ce que tu peux baisser le son du téléviseur? Oui, oui. Donc, tu nous appelles d'où, la famille? J'appelle de Goyave. Le prénom? Agnès. Agnès, on t'écoute. D'accord. Alors, moi, je suis une retraitée. Je voulais me faire vacciner. Mm-hmm. Mais quand j'ai entendu à la télé le professeur, quand j'ai entendu le professeur Luc Montagnier, mm-hmm. qui est quand même spécialiste, grand virologue reconnu, c'est lui qui a découvert le VIH, le sida, il a dit surtout, surtout, ne vaccinez pas en pleine pandémie. Donc moi, j'ai dit, j'attends, j'observe. Et quand j'ai commencé à voir, à entendre virus brésilien, enfin, j'ai commencé à entendre toutes les séries, alors j'ai dit stop, j'attends. Et là, il supplie d'arrêter la vaccination. Et il a fait des recherches sur 5 personnes qui sont décédées suite au COVID et il demande, il supplie d'arrêter cette vaccination. Alors quand j'entends tout ça, mais je ne peux pas aller me faire vacciner. D'accord. Eh bien, la famille, on va pas te garder longtemps parce qu'on va essayer de prendre un maximum d'appels, d'accord? D'accord. Merci pour ton appel. Et c'est pour ça que je ne veux pas me faire vacciner. Et je ne vais pas me faire vacciner. D'accord. On te remercie. Bon, les gens qui pour les vaccins, on peut crier aussi, hein? Elle veut argument azote. Le téléphone, il est ouvert. On ne file pas les appels. Tout le monde peut appeler. Donc, ça veut dire arrêtez mentir. Tout le monde peut venir. J'attends les élus depuis combien de temps? Ils sont pas encore là. Les élus! Ils ont bien venu aussi. Ils ont bien crié. En prenant un appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Chika. Bonsoir, tu nous appelles d'où? De Quimper, en Bretagne. En Bretagne, le prénom? Aurélie. Aurélie, on t'écoute. Eh bien, je vous appelle pour porter de l'énergie, de la force, du courage. D'accord. Parce que vous n'êtes pas tout seul, en tout cas. Moi, ici, métropole, je suis pas vaccinée non plus. J'ai pas l'intention de le faire. Et c'est vrai, quand je vois les politiques quand même, qui c'est qui a chopé le Covid? Eh bien, c'est bien Macron qui était cas contact. Et c'est bien Castex qui l'a chopé maintenant. Donc, moi, je respecte les mesures barrières. Je vois les amis quand même, mais voilà, je prends mes précautions. Donc voilà, au moins pas besoin de prendre cette merde. Et surtout que c'est pas un vaccin, comme tout le monde le dit. Et puis et voilà. Et c'est vrai qu'il y a des jugements, comme beaucoup le disent déjà, qui est vacciné, pourquoi il l'est pas, pourquoi ceci. Et il y a quand même aussi de la compréhension. Et dans mon entourage, beaucoup de personnes ont fait le vaccin pour pouvoir sortir.
et pas par conviction que ça allait les sauver, les protéger. Donc je soutiens tout le monde en Guadeloupe. Et voilà, j'espère que ça va payer. Mais les problèmes principaux, j'espère qu'ils vont l'entendre. Les problèmes d'eau pour les écoles, voilà, dans les familles. Les aides à domicile qui allaient faire le ménage chez les gens. Et il n'y avait pas d'eau pour faire le ménage. Franchement, c'est intolérable. Ah ben, on te remercie. Gros bisous. Donc voilà. On ne t'arrête pas longtemps, d'accord? Boudoum. Ouais. Et bonsoir à la Guadeloupe, en tout cas, et à bientôt. D'accord. Je suis obligé, désolé, de faire court parce qu'on peut prendre le maximum d'appels et les invités veulent réagir. Mais par contre, ah non, mais ça, j'ai envoyé, pas payé en moi. Guadeloupe, Guada, Guadeloupe. Un message à voyer Bapéi là. Nous tous savons qu'il y a un barrage. Pourquoi j'en vais forcer le barrage là pour après ça ni débordement? Ça barré, c'est pas la peine d'essayer de passer en force. Après ce qu'on dit, oui, c'est les boucs, c'est les barrages, c'est la jeunesse. Mais t'es là barré. Faut pas essayer de jouer au super-héros. Faut pas essayer de biter la barre. Ça sert à quoi d'aller au conflit? Vrai des frères et des soeurs qui ont goumé, est-ce que ça belle? Yo voyé des violons, on pas à comprendre. Où t'as barré? Alors, ou qu'il suicidé au barrage là? On pas qu'à comprendre. On peut peut-être d'accord ou pas d'accord avec grève là, la famille. Mais faut pas rendre vous justice vous-même. Ou. Après, nous devons dire qu'à tourner, qu'habiter, oui, entre nègre et nègre, qu'à goumer. Mais est-ce que nous bisez tout ça? Est-ce que nous devons bisez tout ça? 4 mois, que vous avez marché. Sans casser, il faut le rappeler parce que pas mon pas rappeler. Sans casser, sans débordement, sans combat, sans rien, tous les samedis, dans toutes les communes, yo te ka marché, sans affrontement, seul côté où des manifestations qu'a fait pacifique, c'est en Guadeloupe. 4 mois, yo marché tous les samedis. Mon amnésique ou quoi? A quand menti la famille? Pas menti, hein. Sans débordement, sans goumer, sans craser. Maintenant, j'entends la Guadeloupe, le pays, la Cubité, la Guadeloupe. Mais les 4 mois que tu as marché, est-ce que tu as ni même un incident? Pendant les 4 mois que tu as marché, tellement pas tenu, c'est dans bon pas te occupé de yo. Moi, jusqu'à dire la vérité, pas pour ma pour moun, hein. Pendant 4 mois, yo marché. Combien moun marché sans incident? Moun te rajou fè jè vè yo. Ah, je rentre marché pour marché. On va rentre marché. Marché, marché. Ah, bah. Je sais pas. À un moment là, ça que yo te ka marché. Pourquoi pas moun vin pas vin parler vè yo? Pourquoi pas moun pas vin discuter vè yo? Pourquoi pas moun pas vin koute yo? Alors, mon carrosse appelle au calme. Qui veut dire, pas essayer de forcer les barrages. Après, pour pédir, c'est les jeunes. Parce que ces jeunes-là même, c'est famille en nous. Parce que ces jeunes-là même, c'est cousin en nous. Parce que ces jeunes-là même, délaissez cette Simoun en nous. Délaissez les mêmes mouns qui ont critiqué les jeunes, même cette Simoun là. Parce que les cagoulons, ça, Simoun qui là. Peut-être c'est Simoun ou, peut-être c'est neveu ou, peut-être c'est cousin ou, peut-être c'est filleul ou. On nous arrête de critiquer nous entre nous. On nous arrête de juger nous entre nous. Et surtout, tout ces mouna qui sont à l'extérieur de la Guadeloupe. Si vous ne pouvez pas parler de la Guadeloupe positivement, eh bien, pas salir la Guadeloupe. Parce que c'est là où vous faites. Pas j'ai oublié ça, c'est là que nous avons enterré. En Guadeloupe, c'est famille, ou. Nous, c'est famille. Ou. Ça arrête pour être un pop antillais qui a critiqué les antillais. Et ils ont connaître qu'à nous qu'à vivre parce qu'ils ont qu'à vivre en Guadeloupe. Ils ont qu'à vivre en Guadeloupe en vacances. Et ils ont fait partir rapidement. Ils ont qu'à voir toutes les problématiques qu'elles nous nient.
arrête de critiquer nous-mêmes. On arrête la division. On nous essaye de comprendre l'autre. Et on relance un appel encore. Pas tant ni trop tard. Sans discussion, il n'y a pas de solution. Sans communication, c'est la désolation. Il faut encore dire, encore répéter. Mon gars dit qu'il y a un Jaco, un perroquet. Il va parler, mais il va parler parce qu'il va me prévenir ou guérir. Nous prenons un appel. Allô? Allô? Oui, la famille. Bonjour à la famille. Oh, ouais, l'émotion joue. Comment que tu fais? Tu nous appelles d'où? Alors, je vous appelle de la France. Le prénom? Je préfère ne pas donner. Eh bien, mon enfant, choisis le prénom là quand tu es souhaité ni là. Patricia. Tu veux l'appeler Patricia? Ok, on t'écoute, vas-y, Patricia. D'accord. Alors, j'appelle. Je suis ni pour ni contre le vaccin. Mm-hmm. Par contre, je me suis fait vacciner, par principe, tout simplement. D'accord. Sans TVD, PEP guadeloupéen, parce que moi-même, en guadeloupéenne. Alors, Patricia, attends. Vous pouvez parler, mais avez posé deux questions. Vous pouvez poser deux questions? Depuis combien de temps on fait vacciner? En été. En été. Vous pouvez prendre dans un qui vaccin on prend? On prend AstraZeneca. AstraZeneca. Combien de doses vous j'en prends? Deux. Ok. Qui j'en crois senti ou? Bien. Qui j'en senti ou après le vaccin là? Mal. Qui j'en senti ou? Mal. Ou senti ou mal? Moi, moins mal. C'est-à-dire, expliquez-nous. Entraper frisson, entraper la fièvre, entraper plein bitin. D'accord. Et on t'écoute maintenant. Bon. Voilà, c'est pour ça que je dis que je suis anti-vax, ça part anti-vax. Moi, pour moi, payer en moins, mais tout le monde a payé en moins. Chaque monde qui a fait, ça y est. Voilà. En vas-y. Pas pour, en pas contre. En cas respecter tout le monde. Voilà, on t'écoute, en vas-y. En cas respecter choix à moun. Mm-hmm. Seul bitin TV dit, peuple guadeloupéen, que craser, brûler, piller, voler, pas qu'à servir en lien. Mm-hmm. Qu'à les commerçants n'y avoir avec ça, manifestant qu'à mendier. Autant de moins. Mais la famille, bonjour, habitant, arrête pas les carrés parce que on a l'impression des fois nous hypocrites. En pauvre, à part en Guadeloupe, pour manifestation que pas ni pillage. Là, on voit tous les samedis, sur toutes les chaînes du monde, la plus belle avenue du monde pillée et écrasée pendant tous les samedis, pendant des mois. Sans pas qu'à dire non. Mais on pas d'accord avec ça. Attends, on pas dire d'accord. On a condamné. On a condamné. Mais nous savons que depuis ni manifestation, ni risque à pillage. Ouvrez le feu à la rue d'Onzière. Attends. Ouvrez l'état à magasin, c'est mon nom. Faut qu'on comprenne ça, Gadi. Hein? Mm-hmm. Faut qu'on comprenne. Faut bien comprendre vous bien. A dit, a qu'à déplorer ça qui fait. Faut pas moun ka dit sans pas dit. Mais faut savoir que depuis ni manifestation dans le monde, ni risque à pillage. Ça a fait tout côté. En Guadeloupe, ça pas qu'à fait. Parce que la preuve, yo ka défilé tous les samedis en toute commune Guadeloupe depuis 4 mois. Est-ce qu'il y a jamais eu un pillage depuis 4 mois? Non, mais c'est les Danakas ont profité de ça, tout simplement. A ka parler depuis les 4 mois que yo ka défilé tous les samedis. En Dieu, pas tenir. Est-ce qu'elle tenu en combat? Non. Est-ce qu'elle tenu en goumé? Non, mais à part ça, on veut dire. Non, mais faut baisser là. Non, mais attends. Ça veut dire que quand il y a défini dans le calme, on ne sait pas où reconnaître. Ah ouais, mais les Guadeloupéens, quand ils organisent des défilés, ils savent organiser la sécurité. Il faut le reconnaître aussi. C'est comme ça qu'il faut nous arrêter. Dans le calme. Alors, faut pas que je suis d'accord avec toi, c'est malheureux pour tous ceux qui ont perdu, pour les commerçants, pour les entreprises, tout ça. Mais il faut pas faire que ça existe en Guadeloupe. En pas de ça qu'a existé en Guadeloupe. Pour Jean dire ça. En cas de yo, calme yo. Parce que ça pas qu'à servir en rien. Eh bien, là, c'est notre discours, elle est là. À quoi comprendre ça, dis-moi. Non. Depuis le départ, on dit ça. Parce que je suis désolé. Moi. Je te dis que nous en Guadeloupe. En cas comprendre d'autres, mais il ne faut pas écraser Bitamoui.
Mais ça pas qu'à faire dit zote, ça veut dire qu'on peut englober tout le monde. Non, 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 pas encore englober. C'est une manière de dire. Non, non, il faut faire attention au mot. Il faut faire attention au mot, c'est très important. Monsieur, comment on dit vous? Faut faire attention au mot. Faut pas dire zote. Mais alors, mais, comment on dit vous alors? Faut dire en marge des manifestations, il y a eu des exactions. En français. Oui. C'est comme ça qu'on dit en France. OK? Vous avez compris. Vous m'avez bien compris. Je vous ai compris. Mais quand nos jeunes voient à la télé aussi des manifestations, tout le monde casse tous les samedis à Paris, ça casse, ça brûle. Est-ce que c'est pas aussi une façon aussi de leur donner le mauvais exemple? Oui, bien sûr. Parce qu'on a vu ça pendant des mois. Hein? Je ne suis pas pour la destruction. Je répète encore. Que les commerçants n'ont rien à voir avec les problèmes. Vous savez pas, vous avez pas vu les gilets jaunes sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, l'avenue la plus sécurisée du monde? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, madame? Monsieur, j'ai vu. Mais c'est une manière de faire pareil? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit qu'ils ont défilé pendant 4 mois sans incident. Mais ça, personne ne l'a remarqué. C'est tout. Si. Je n'encourage. Et je n'encouragerai jamais à la violence. Je pense que si vous me connaissiez, vous serez su que je suis un homme d'amour, un homme de Dieu, un homme de prière et un homme de pardon. D'accord. Toutes les personnes qui me connaissent savent que Chicanos, c'est un homme de rassemblement, un homme de pardon, un homme qui des fois même pardonne les pardonnables. Pardonne ce que la majorité des gens n'auraient même pas pu pardonner. Et que Chicanos est un homme d'amour. C'est ça que je promotionne, c'est l'amour. Écoutez-moi, Chicanos, en voilà. Pageant jugé ou en pageant dit on y est. Voilà. Non, mais je tiens à le préciser. On compte la violence, tout simplement. Ah, moi aussi. Mais voilà. des fois c'est aussi. C'est ça, on dit depuis l'encrier. Bon, d'accord, mais on te remercie. Moi, c'est important de mettre les points sous les îles, les bains sous l'été. On a dit encore, on a condamné les violences, on a condamné tout ça qui fait. Mais il faut aussi nous poser nous les bonnes questions. Qu'est-ce qui mène nous à là? Moi, jusqu'à 10 ans, vraiment, pays là, on a remarqué qu'il y a défilé pendant des mois, pour ne pas lever de garde. On a remarqué qu'il y a défilé pendant des mois, sans rien, sans incident, sans qu'à tromper, moi, dis, crier, moi, dis, moi, Chica, non, non, t'es ni goumé en telle commune, t'es ni écrasé en telle commune, c'est peut-être pas au courant. Donc, si ni un monde n'a pas dit la vérité, eh bien, crier, télévision pas marché sans publicité, après la pub, nous allons retourner. L'amour. Pour demander de retour, alors, ben, connectez-moi avec les autres aussi, hein. Nous allons partir directement contre le téléphone. Là. Allô? Allô? Allô, allô, allô? Oui, bonsoir. Oui, je me permets d'appeler, j'appelle de Paris. Hein. D'accord, j'appelle le prénom. Oui, j'appelle. Pardon? Le prénom, s'il vous plaît. Sylviane, je suis de la Guadeloupe, mais je suis bien métropole. Hein. D'accord, on vous écoute, allez-y. Alors, voilà, donc je voulais simplement donner un petit message aux Guadeloupéens pour dire que, effectivement, nous en France, nous les Antillais habitons en France. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent en métropole et je dois le dire ça. Lorsqu'il y a eu le confinement de l'année dernière en métropole, nous avons découvert énormément de gens qui ont pris des photos des policiers, de certaines personnes qui s'habillaient en gilet jaune pour pouvoir, lorsqu'il y a eu les trucs de gilet jaune, pour pouvoir faire croire que c'était les gilets jaunes qui cassaient, qui brisaient. C'est bien les gens de la loi, les gens du gouvernement qui viennent mettre le désordre en Guadeloupe. Parce que vous ne voyez pas, vous avez juste ce que vous avez là actuellement, vous ne savez pas ce que nous les Antillais, on l'a subi en France. Simplement pour vous dire de vous réveiller, parce que ce ne sont pas, je n'admets pas qu'on puisse dire que ce sont les délinquants des Antilles, parce qu'aucun gouvernement n'a rien fait pour les Antillais.
qui sont dans la rue, qui n'ont pas de travail. Et je ne peux pas qu'on les incrimine et qu'on les remette encore au bord de la rue pour dire que c'est eux qui cassent. C'est vraiment le gouvernement qui fait ce genre de choses. Et il faut que les Guadeloupéens se réveillent, non pas dans la violence, ni dans les jurons, mais que nous ayons notre tête, nos épaules, notre tête sous nos épaules, pour bien montrer qu'au gouvernement, nous sommes noirs, mais nous ne sommes pas des tableaux. Nous ne sommes pas des imbéciles. Ce n'est pas parce que nous sommes noirs que notre cœur est noir et notre cerveau est noir. Mais nous sommes des gens bien déterminés et nous comprenons leur manigance. Nous savons très bien qu'ils sont en train de nous mentir. Écoutez-moi bien. Pendant le confinement, toute cette histoire de Covid, toute cette histoire de vaccination, toute cette histoire de masque qu'on nous prend, c'est vraiment un mensonge. C'est tout simplement, ils veulent dépopulariser les gens, dépopulariser le monde. Ils veulent tuer massivement et ils ne vont pas se gêner pour tuer les Noirs. Parce que c'est nous qui gênons. Nous les gênons, ils veulent faire comme Hitler, du temps d'Hitler. Mais nous allons nous lever. Alors pas dans la violence, mais dans la prière. Et je vais vous donner tout à l'heure, prenez votre stylo bien, je vais vous donner une clé que Dieu m'a donnée. Et vous verrez ce que je dis, ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Si vous les faites, les Antillais, les Guadeloupéens, se mettent en prière pour deux mots, Dieu s'élèvera. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Nous, nous sommes des menteurs. Nous sommes des pécheurs. Mais Dieu est réel et vit dans la réalité des vivants. Alors que les Guadeloupéens se mettent bien en tête que là, nous sommes en train d'être méprisés. Quand on vous met un masque sur le visage, c'est un mépris. Dieu n'a jamais dit de fermer la bouche. Il a dit de l'ouvrir et il la remplira. Quand on vous met distanciation, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de voir votre prochain. Vous n'avez pas le droit de discuter avec votre prochain, votre famille. Toutes les personnes qui sont décédées, hein, ils sont morts dans l'indignité. Je le dis parce que ce qui se passe ici chez nous, quand quelqu'un décède, on fait un enterrement digne, correct. On respecte les morts. On a enterré les gens comme des malpropres. On a fait toutes sortes de choses parce qu'ils nous prennent pour des animaux. Ils nous prennent moins que on est des gens, on est des personnes, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ne vous laissez pas souiller, ne vous laissez pas mépriser. Le mépris, c'est pour eux, parce que là, ils nous ont méprisés, ils nous ont privés, on nous a fait souffrir. Parce que quand on vous met un masque, quand on vous dit distanciation, quand on commence à vous dire vaccin, là maintenant, c'est une autorité qu'on est en train de nous imposer. Vous prenez des vaccins, vous prenez pas le vaccin, on vous tape. Vous prenez pas le vaccin, on vous enlève votre travail, votre gagne-pain. Je suis désolée que les Guadeloupéens soient clairs, que ça soit clair dans leur tête. On va pas agir en violence, mais on va leur démontrer que nous avons un cerveau qui est naturel. On veut pas des choses surnaturelles. On veut pas des, comme on nous dit, l'intelligence artificielle. On n'en a que faire dans leur intelligence artificielle. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que tous les gens-là, qui se sont fait vacciner. C'est très mauvais ce qu'ils ont pris, c'est un poison qu'ils ont mis dans leur corps. Lorsqu'ils vont activer la 5G, lorsque la 5G va être mise en œuvre, il est déjà mis en œuvre, mais on ne le voit pas. Les gens vont commencer à faire des AVC, les gens vont commencer à faire des crises cardiaques. Pourquoi? Parce que c'est comme des démons, hein? En haut, l'intelligence artificielle, les ondes électromagnétiques, plus le liquide qui est dans votre corps, ça fait comme un aimant. Ça attire, ça va sur les viscères molles, qui est le cœur, qui est le foie, qui est le rein, qui est le cerveau. Et bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça grille. C'est comme si c'est toute l'électricité qu'on vous donnait dans la tête. Il faut que les gens comprennent que nous avons un système immunitaire. Dieu nous a créé à son image. Nous avons un système immunitaire qui fonctionne. Nous avons l'intelligence. Nous n'avons pas besoin de l'intelligence artificielle. Car c'est nous-mêmes, nous les hommes, qui avons accepté de rentrer nos informations, notre intelligence, dans un portable, dans un ordinateur. Nous sommes naturels. Nous sommes les meilleurs sur la terre que Dieu a créés. Il n'a pas donné la parole aux animaux. Nous avons la parole. Nous avons tout pleinement dans le Seigneur Jésus. Il faut que les Guadeloupéens se lèvent, qu'ils prennent leur Bible, qu'ils commencent à chercher les psaumes de combat et combattre l'ennemi. Et prenez vos stylos, le psaume 107, versets 40 à 41. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit que ceux qui nous ont privés là, qui nous ont méprisés, il va répandre sur lui. Sur tous les puissants, il va répandre le mépris. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ferai errer les puissants dans un désert sans route. Est-ce que vous avez compris ça? Un désert, ça veut dire qu'il n'y a ni eau, ni de l'eau, pas ni de l'eau, pas ni blé, pas ni manger, pas ni aller, et pas ni route. Une route, ça veut dire que c'est une issue que tu vas sortir. Dieu dit, je les ferai errer
dans un désert, sans route. C'est à vous de vous lever. Seigneur Jésus, voici, on nous a méprisés, on nous a calomniés, on nous a fait souffrir, on nous a privés, on nous a fait distanciation. Il y a eu des familles qui sont décédées, il y a eu des enfants qui sont morts, il y a nos parents qui sont décédés. On nous a tués à petit feu, on nous a fait rester combien de jours chez nous, on nous a mis vaccin, on nous a mis masque. Ça, c'est un mépris. Ça, c'est un mépris. Si les Guadeloupéens ne comprennent pas, arrête de comprendre ce qu'il y a, arrête pas les créoles là-bas, bien. Comprenez ce qu'il y a, disons là. Ça, c'est un mépris. Là, ils mettent un masque qui dit, vous allez dire, ferme ta bouche, vous ne pas dire l'autre mot. Quand on vous dit distanciation, ça veut dire qu'on vous contrôle. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit. Donc, à privé, on allait en côté. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'aller un kilomètre de qui? Christ est mort, Jésus est mort. C'est pour la liberté qui nous a franchis. Soyons libres. Dites à ces gens-là. Si vous y servez les Illuminati, s'ils servent les francs-maçons, parce que c'est les francs-maçons qui sont là maintenant, qui sont en train de diriger la terre, réveillons-nous, prenons les armes. Dieu nous a donné des armes. Il dit des armes avec lesquelles nous combattons. Elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses que vous voyez devant vous, ce sont les Illuminati qui les ont mis. Ils ont élaboré leur plan pour détruire massivement l'être humain parce qu'ils ont constaté que nous étions majoritaires. Eux, ils sont 666 hommes. Les 666 hommes ne peuvent pas se tenir devant 6,7 milliards d'êtres humains sur la terre. La famille, malheureusement, nous pouvons péter le temps parce qu'il y a un homme qui vient crier. Oui, Makapindou. Vas-y. Écoutez-moi bien. Faut pas nous laisser, yo. Tout le temps, ce cadre-là, là, yo, ils ont tué tout petit commerçant dans tous entiers. Et ce gouvernement-là qui là, yo, parti pour yo faire le mal. Yo, ils ont mis tout grand multimédia, yo, en route à la Guadeloupe et qu'on s'en va acheter en ligne. Mais c'est ça, yo, ils ont fait. Yo, ils ont fait Guadeloupéen. À présent, c'est, yo, qu'ils comptent qui moun qu'ils travaillent. Prends travail à ce temps-là, à ce temps-là. Détruit tout ça, et c'est blanc qui est dans notre pays là. S'ils n'ont pas levé pour se goumer, dans quelques années, si nous pas morts, nous que vrai, c'est blanc qui est habité pays là. Et n'est-ce que c'est le désert allant en Afrique. Non, les Antilles appartiennent aux Guadeloupéens. On se lève, on se bat pour les Antilles, mais on se bat aussi pour soi-même, pour que nous soyons protégés. Alors donc, j'ai donné le psaume 37, verset 40 à 41, qui dit que Dieu, il n'est pas d'accord, il met le mépris sur les puissants. D'accord. Les puissants, c'est les Illuminati, les francs-maçons. Oui. Nous, quand même, on sait pour appel là, mais nous ne pouvons pas arrêter plus longtemps. D'accord? Je suis d'accord. L'émission est presque finie. Oui. Il faut que ça passe. Il faut que ce message là passe. Que les ou t'en direct, ou t'en direct là, y'entend vous. D'accord? Bon, c'est ça qui m'a entendu. Et que vous Dieu béni, monsieur Macron, tous ces gouverneurs là, y'a mis cette institution à Jésus disparaître, vous y'a mettez vaccin, vous y'a mettez Covid, vous y'a mettez ça. Ça, l'intelligence artificielle, d'habiter ça dans votre tête, mettez le Seigneur Jésus en avant et vous verrez la gloire de Dieu. Que toute la Guadeloupe soit bénie ce soir et que ceux qui n'avaient pas l'habitude de prier, prenez vos bibles, priez, demandez à Dieu, il a dit, demandez et vous recevrez. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que la Guadeloupe soit libérée des Illuminati et des francs-maçons et que Dieu fasse sa justice. Voilà. Nous quoi remercions. Oui, je suis quand même sur le cas de nous. L16-1 du Code civil, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça, chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Cela nous ramène à considérer que tout acte effectué sur un individu contre sa volonté doit être considéré comme un viol. Et exactement, là, il va forcer au point ambiguë, l'obligation vaccinale, c'est effectivement son viol. Nous, en mouvement au CAGR, nous n'y qui vacciné, qui non vacciné avec nous. Yo à côté de nous, yo à combat à côté de nous. On y a des collègues qui disent si yo te savent, yo pas vacciné yo, hein. Mm-hmm. En tout état en conscience, yo quand du jour de là, si c'était pour yo te prendre, yo pas te que prendre parce que yo il vit en obligation. D'accord. Alors, nous capons appel vite fait, nous revenons. Allô. Oui, eh bien nous allons écouter la famille, on direct là. Oui, allô. Alors, faut couper sur la télé là. Ok, à la fin, allô. Allô. Attends, c'est que nous l'idée appelle là. Allô, allô. Oui, allô. Attends, Kevin, reprends l'appel. Oui, à quoi écouter, vas-y. Oui, mon gars, appelé de la mort. Attends, allô. Gardez, appel, la parole, regardez. Ah oui, écoutez, vas-y.
Oui, c'est là. Oui. On t'écoute, vas-y, la famille, vas-y. À la radio, t'as l'air là, ça me vous dire, putain, c'est très important. Très, très important. Et, ça veut dire, tout vous pensez, là, on entend vous répondre, madame, on entend madame, à vous, à quel. Attends, je ne vais pas te dire, vas-y. En tout cas, là, là, répond madame, à vous, à quel. Et, là, où une manifestation qu'a faite en France. Il y a crasé, il y a brûlé. Hein? Pour le monde, pas mal parler pour le monde. Là où vous voyez, c'est en Guadeloupe. Moi, je suis bien qui fait Guadeloupe, mais toujours là pour critiquer Guadeloupe. Après, un deuxième bisé, moi, dit. Là où vous voyez les politiciens, nous, qui en France. Mais eux-mêmes, c'est mon qui sont censés représenter nous là. Qui ont mal parlé pour France. Là où on entend les nouvelles parler hier soir, qui a dit que pas de problème en Guadeloupe. Tout ça, le président a dit bon. Mais le président a sorti la cour, il dit. Ah ben, c'est vous, les amis, foutez les coups. Comment? Parce que c'est mon ami qui a représenté nous là, même là, il y a un faute. Il y a expliqué que c'est délinquant, voyez, tout qui est là, là. Pas ni pour problème à vaccination, tout le monde vacciné à 85%, les problèmes, c'est délinquant. Alors, quand vous voulez le président, vous voyez, les gendarmes, il faut qu'ils mettent bâton. Alors, c'est ça, les gens dit. Et. Délinquant, ça qui a fait la peine, c'est nous, les Guadeloupéens. Parce que c'est ce qui a rapporté mon œuvre. Ni mon qui a la rue là, c'est soignant la pompe là, c'est moi qui a porté mon œuvre. Et à côté, c'est nous-mêmes qui avons discuté. Tout ça, c'est moi qui a fait. Et là, on voit maman qui va aussi être à côté. Là, on répond madame Matale là, pour exemple, on va élever manifestation en France. Souvent, à côté, on dit beau garçon. Merci la famille. Ou savez, ou connaître Bougao, moins. Ouais, après, on ne peut pas parler Christo, on connaît. Ouais. Voilà. On ne peut pas parler okay. Parce qu'on connaît. Ok? Non, mais de façon, continuez le combat là. Nous parlons, et il y avait envie de dire que c'est Bougas qui est en la rue là, c'est Pompi là, tout le monde qui est en la rue là. Un gars de mon sang, on y a fait plusieurs mois, c'est Pompi. Ça quand même, moi aussi, le tableau, quand il n'y a pas de travail, moi, je ne suis pas capable. Et parce que ça, c'est Bougas qui fait un travail, tout qui est content après. Si il est passé, tout le monde est où le Bougas. Alors, c'est pour ça que moi, je suis mal à mon patient. Et je vais féliciter tout le monde qui est en la rue. Eh bien, ok, nous quand même sur la famille, Boudoum. Nous allons partir rapidement côté téléphone là, de la Martinique après c'est à toi. Préparez-vous. Hein? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Tu nous appelles de la Martinique. Le prénom? Étienne. Étienne, on t'écoute, vas-y. Oui, alors, Manga suivi intérêt. Ça a passé Guadeloupe. Puisque moi, je suis Martinique qui grandit Guadeloupe. Je suis arrivé à l'âge de 6 mois dans les années 50 Guadeloupe. Et je fais toute jeunesse en Guadeloupe. Et mon gars, ça a tellement émouvoir moins des web voyages canal à travers rivière sens Bastet, vieux habitants, mon gars, ouais, toute jeunesse, mon gars, défilé. Et mon gars dit, méfiez-vous, les gens qui critiquent en disant que les jeunes mettent le feu. Il y a des gens. La dame l'a dit de l'autre côté, de la dame qui habite en France a dit qu'il y a des gens qui sont contre la manifestation de façon à salir la manifestation, mettre le feu. Et ça s'est produit le 13 janvier 2020 en Martinique. Ces gens d'amnat qui a braqué. Lacrymogène en direction station essence ESO. Et c'est nous manifestants qui c'est qu'a été ça. Eh bien justement, pendant là, qui j'habite à la Kabassa Martinique, qui habite à la chauffer Martinique aussi. Qui j'habite à la Yemada? Eh bien, il est. Et mon rapier ça à 100%. Parce que moi, pas un robot artificiel qui aura émis un produit en les mains et que nous passons dans les 6 ans à venir, qui ça que fait. Et puis moi, je ne compte pas les gens qui ont confiance dans ça, mais moi, je n'ai pas du tout confiance dans ça. Et moi, je suis un bonhomme qui a dépassé les 70 ans et je prends toute qualité de vaccin qui est aussi bien l'armée. Justement, c'est quoi? Je prends tous les vaccins en les mains de petit et vraiment, je viens faire service militaire, je prends toute qualité de vaccin. Je ne vais jamais faire vaccin. Mais fois là, ça, c'est vaccin. Alors, ils sont machin à craindre parce que vous passez dans les années et dans les mois. Qu'est-ce qui s'est passé? La famille. Merci à vous de ne pas critiquer les jeunes. D'accord. Et si toutefois
pas, il y a des gens, s'il y a du pillage à cause de la pauvreté, c'est qui est-ce qui est responsable? Ce sont les politiques et le gouvernement qui est responsable de la pauvreté, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique. Et mon cas dit, moi, pas en Antillais, moi, c'est en Caraïbes, parce que moi, pas en Antillais, on va manger. Et alors, la famille. Pour moi, c'est même bagaille. La famille, nous peut regarder l'autre parce que monsieur a presque fini. Mais pas hésiter, virer, crier nous, demain ou après-demain. OK? Merci en l'eau. Big face pour tout la Martinique. Là, c'est à toi, vas-y. Alors, à quel revenu à ces notions à violence là? OK? Tout le monde a parlé de violence, mais il ne faut pas y oublier que le président de la République française dit nous sommes en guerre. Est-ce que vous avez une guerre sans violence? Et expliquez-moi. Lorsque vous voyez qu'on suspend le monde, ou quoi arrêter contrat de travail, ou quoi arrêter contrat de travail, ou quoi arrêter salaire pendant 10 mois alors qu'il n'y a pas qu'on mette pour une faute professionnelle, ok? Est-ce que ça a pour une violence? Ok? Vous voulez dire qu'on arrêter manger en bouche à vous? Exactement. Les qu'on arrêter manger en bouche à vous pendant 10 mois. Et quand tu après, si vous pas fait ça, tu fais, à qui vous êtes définitivement? Est-ce que ça a pour une violence? Ok? Là, il te dit que nous sommes en guerre. Nous, le monde ne peut pas comprendre. C'est une toute sorte de la guerre. Nous avons la guerre communication. Ok? Notamment des chiffres. Et quand nous sommes là-bas, des bâtiments de luxe. Ok? Gardez la caméra là. Oui, oui. Tout ces chiffres là. Quand nous sommes des bâtiments de luxe, on y voit le CGL. Là, il dit que le CGL vacciné à plus de 80%, il dit que c'est faux. Ok? Alors, 421 agents, ok? 38% qui vaccinés à la date d'aujourd'hui. Où c'est? Qu'est-ce qu'on a dit là? Akadiou, nous trappons discussion avec directeur là. Ok? Nous trappons discussion avec directeur là. Et nous demandons, qui taux à vaccination là? Dis-nous c'est 38%. Ok? A si 421 agents, dit l'établissement là, il y a 38% qui vaccinés. Ok? Donc, les modèles qui font comprendre que les vaccinés à 80%, ils disent menti. Ok? Où c'est? Qu'est-ce qu'on a dit là en direct? Tout le monde a vu? Akadiou, parlez pas tout le monde, parlez pas en direct. Qu'on a dit? Akadiou, dis encore. A deux bagages de chiffres là, Mandelix menti ban nous. Et habitué menti de toutes les façons. Il menti ban nous. Il menti ba peuple là, ok? Là, il a dit, moun qui travaille au niveau du CGL, là nous travaillons là, là nous en grève là. Qu'est-ce qu'il est CGL? C'est centre hospitalier gérontologique, nous croyons qu'il peut des grands appâts, nous qui construit la Guadeloupe, justement. Qu'est-ce qu'il dit? J'en combien? Il dit que moun vacciné à plus de 80%, tout va bien. Jotla a dit, il menti yay. A si 421 agents, 38% seulement qui vaccinent. Ou ça qui a gardé, ou yoke gardé, ou yoke vrai ou? Mais qu'a fait ça, il voulait. Ou c'était les propos qu'on retient? A ka affirmé que c'est 38% seulement qui vaccinés, pas 80% qu'on dit. Ok? Et donc, pour que ça bien comprendre ça, il y aura pas de violence. En tout cas, violence là. Qui plus grande violence qui nous l'a vu, vous savez qu'on n'a pas fait bon faute. Et alors, quand vous êtes professionnel ou exemple de travail, il y aura dit que si vous n'avez pas un pic expérimental contre le puisque là, nous n'avons pas la notion de liberté, qui plus grande violence qui nous l'a vu, c'est liberté. Ok, au nom de soi-disant la loi. Alors, à TV pose une question, nous posez directement la question là ça. Est-ce que tout ça qui loi forcément moral? Alors, expliquez-moi, l'esclavage, là ils mettaient le code noir, c'est ton loi. Français mettaient la peine de mort, c'est ton loi. Et pas tes moral, ils ont aboli. Donc tout son homme qui a fait un homme PDFI. Et c'est pas la mobilisation que nous qui défait loi là ça. C'est pas la mobilisation, avec détermination, avec fermeté que nous qui ôter loi là ça. Puisque faut bien comprendre. Bité là, ça, comme j'ai expliqué, hein, sont bité pour faire l'argent. Macron et d'autres mounes. Et une série de médecins qui dit mon vaccin, ils ont attaché à des films à vaccin là, ils aussi ont fait l'argent à eux. Alors, il faut nous bien clair. Soit disant, le COVID ni bondo. Les soignants en première ligne, ils ont applaudi, ils ont tout long au début de la COVID. Ils n'ont pas été meilleurs héros que nous. Ok? À tel enseigne, il faut mettre des primes, il faut avoir des vaccins, il faut avoir des patients et des gens qui travaillent. Ils n'ont pas le risque. Mais bien sûr, nous travaillons sans équipement. Puisque l'équipement pour pas équipé, ils travaillent quand même. Mais bien, les camarades qui ont. Ils ont mis vie à un jeu. Mais comment expliquer ça? Non seulement c'est équipement, nous tenons Covid, il y aura des nouvelles travail. Et nous, en télé, où c'était son candidat? Je vais répéter. Je suis obligé de venir travailler tout malade. Tout Covid, parce que nous sommes asymptomatiques, nous sommes Covid positifs, parce que nous sommes asymptomatiques, il y aura des nouvelles travail. Ou c'était son candidat, là, si plateau la million, nous regardons. Tout malade, nous sommes obligés, venir occuper des mounagers, alors qu'on était positif au Covid. Je vais répéter. Parce que nous sommes asymptomatiques simplement. Oui. A confirmer ça comme on l'a dit, puisqu'à nos réunions, ils étaient obligés de venir travailler tout malade pendant le Covid là. Alors qu'on peut transmettre maladie là. Eh bien oui, ça arrivait. Et on peut occuper des personnes âgées. Ça arrivait.
Alors, il faut comprendre, il y a des cas qui nous disent ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas trouvé pour nous remplacer. Tout simplement. Ok? Alors, il y a des gens qui nous disent, effectivement, ils disent nous que l'offre ou ni COVID là, soit symptomatique ou pas, ni signe, ou peut venir travailler. Mais on peut être symptomatique et transmettre maladie là? Affirmatif. Parce qu'il n'y a pas de monde pour remplacer. Faut alors, pas tenir pour remplacer, mais aller là, il peut suspendre les autres, quoi. Pas exactement, de problème. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que quand ça, c'est un non-sens. Nous régis par une loi. Travailler là, nous quoi faire là? La force publique hospitalière régit par une loi. Et loi là, ça, ok, là, ils mettent soi-disant loi vaccin en place, ils n'ont pas modifié. Le code du travail, ils n'ont pas modifié. À carré rappeler, là, on voit quoi suspendre le contrat de travail en monde, c'est parce qu'ils commettent une faute. Grave. Qui faute que un monde qui a dû y par un vaccin expérimental commette? Aïe. Et c'est pour ça que nous avons reposé la question là. Est-ce que ça qui loi forcément moral? Et ces questions là, ça a que nous répondre. Alors malheureusement, l'émission a fini. Le mot de la fin. Hein? Pendant un direct. Hein? Eh bien, le mot de la fin, comme on l'a conclu. Les... Voilà, vas-y. Nous avons toujours mobilisé et nous avons été mobilisés et déterminés. Et nous avons appelé tous les camarades, tout travailleur à CGEO, à rejoindre le mouvement là, ça. Puisque c'est divinier en nous qui en j'ai. Ok, et que après un mouvement à vacciner contre nous vacciner, son mouvement pour la liberté, l'obligation vaccinale, obligé au fond au butin, alors qu'elle ne veut pas en quelque sorte, et qu'elle nous pas combattre pour faute, alors il peut pas suspendre nous. Et nous j'ai dit, nous veut pas suspension, nous veut pas qu'elle retire l'argent. Mon nous c'est ce travail qu'elle nous demande et ce travail qu'elle nous travaille. Ben moi la fin langue dit que effectivement que nous tous ensemble, hein, c'est ensemble nous qui gagnons, ensemble nous qui gourmets, c'est ensemble nous qui gagnons. Et nous commandons tout agent à CAGR, rallier à nous, parce que de toutes les manières, j'ai rallié à nous, de toutes les manières. Et que l'administration là, fait tant nous, quoi, parce que pas de communication, nous commandons. Justement, en quel état psychologique et si vous êtes moi bien. Moi-même en bien. Là, quand ils ont ça par rapport à tout ça, est-ce qu'elles ont peur de travailler à Zot? Est-ce qu'elles ont peur pour venir à la famille à Zot, à venir à Zot, à venir en pays là? C'est ça la question que j'ai posée à Zot. À carré du ou, moi, en bien et en savant l'en ok. Et c'est vrai que, ni des collègues qui paient par ces certitudes, ils ne savent pas si vous prenez ce point vaccin là, pas prenez, est-ce qu'elles peuvent travailler? Et faut nous capables de ça aussi. Les gens qui ont une famille monoparentale, c'est-à-dire, au moment qu'elle avait deux, trois timons, une timon qui a fait étude en France, et de surpoids contractuel. C'est-à-dire, quelqu'un a signé tous les mois. Et qu'elle a dit, que ce soit l'éthique de proximité ou d'autres mounou, ou direction, ou dans le cadre de la dit, si vous pas signé contrat là, si vous pas prêt vaccin, apparaît nous voulons contrat là-bas. Il faut nous capables de ça aussi. Parce que ça aussi qu'a fait. OK? Mais, en tout état de cause, ni des mounous, c'est vrai qu'elle a peur. Parce qu'elle a deux cas là, ça. Mais moi, personnellement, bien. Moi, je dis que je suis en demain, hein, parce que mon gars, c'est maman, papa. Hein. Effectivement, on est qui l'école en France. Et mon papa, quand même. Parce que le combat là, nous avons gagné. Et c'est simplement pour nous faire un mariage. Et c'est pour ça que nous avons trois syndicats en établissement là, FO, UTS et CGTG. Et nous allions nous à ce mouvement là, ça, en groupe. Alors, juste un dernier meeting. Alors, ça n'a pas propre à l'établissement, nous. Mais de manière générale, il faut que nous comprenions. Si vous voulez travailler pas manger, les gens qui ont fait le loi là, ça, et qui ont appliqué le loi là, ça peut manger non plus. Faut ça bien clair en tête à tout le monde. D'accord. Allez, nous allons rappeler encore l'amour, patience, pas essayer de faire ça dans le fond barrage, pas essayer de battre trop fort. Tout ça qui a quoi prier, à qu'espérer que nous sortions sans bidon là ça, force battre tout le monde, faut nous une compréhension, discussion, communication, tout le monde, tout le monde, tout le monde, qui peut faire un bidon, c'est faire un bidon. Malheureusement, c'est une heure en tenue, et bien, on a tout ça en TP, on paquette l'amour, rendez-vous demain, même heure, même antenne. L'amour! Pas laisser au seul Dieu plus belle richesse à vie.